Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le nouveau serveur de Minecraft. Eh ouais, j'ai fait un petit serveur tranquillement, ça se passe comme ça. Je me suis mis en mode créatif, histoire de pas trop être embêté parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite visite du serveur tranquillement. On va visiter un petit peu les maisons des abonnés, vos maisons, ce que vous avez fait là, les gens qui sont sur le jeu. Donc, je vais vous expliquer comment que ça se passe. Déjà, tout le monde peut rejoindre le serveur, tout le monde. Même ceux qui ont Livecraft, vous pouvez rejoindre. En tout cas les gens, si la vidéo vous plaît, oubliez pas le petit pouce bleu. Et oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Donc, on y va, comment que ça se passe? Au début, vous devez vous enregistrer comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Vous devez faire slash register mot de passe. Voilà, donc le mot de passe, vous devez le rentrer qu'une seule fois. Et c'est un mot de passe à 6 chiffres. 6 chiffres, 6 lettres, 6, ce que vous voulez. Voilà. Je crois que c'est des chiffres en fait. Donc du coup voilà, ça se passe comme ça. Vous faites T pour ouvrir le chat. Vous faites hop, register, comme ça, espace. Et là vous tapez un mot de passe à 6 chiffres, 6 lettres, ce que vous voulez quoi. Une fois que vous vous êtes enregistré comme ça, vous avez juste à faire T slash login, espace. Et vous enregistrez votre mot de passe que vous avez choisi. Alors je dis ça parce que souvent je vois des gens au spawn qui bougent pas tout simplement. Donc je pense qu'ils arrivent pas tout simplement à s'enregistrer ou quoi. Bonjour mon petit monsieur. Bonjour mon petit monsieur Palmacraft. Ça va bien? Putain, il est déjà en diamant et tout. Oh là là, comment que tu déchires? Ouah, il déchire Palmacraft. Il a déjà tout en diamant. Eh ben mon vieux. Bon du coup je me suis mis en créatif pour pas être embêté. Je vais vous faire visiter un petit peu le spawn tranquille. Donc voilà, ici voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein. Vous spawnez ici, il y a le panneau qui est devant vous pour vous dire comment faut faire. Donc tranquillement, un mec normal, et bah salut à toi mon vieux. Voilà, ici il y a une petite prison, voilà, c'est moi qui l'a fait avec donnez-moi des cacahuètes, j'ai faim. On en va enfermer un joueur là-dedans. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont passage, tranquillement. Voilà, la bête de foire, bon c'est ici. Tranquillement, voilà. Ici, on a les tours. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, là, j'ai mis des petites décos, tranquillement. Alors, ici, personne ne peut rien casser. De toute façon, maintenant, voilà. C'est tout réglé, les gens. Le point de spawn, c'est réglé. L'histoire des clems, c'est réglé. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, ici, on a la petite échelle, tranquillement, histoire de monter sur les tours. Alors, attends. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu en volant, histoire de... Voilà, c'est fait comme ça. Donc, c'est franchement sympatoche, quoi. Voilà, ici on a mis... il y avait un petit cheval ici. Et puis ici, il y avait un creeper. Ouais, ouais, je l'avais enfermé, je m'en souviens. Là, il y a des plaques de pression, apparemment, qui donnent de la bouffe. Ok, donc ça, c'est plutôt cool, voilà. Donc vous pouvez vous servir en bouffe au début et tout. Ici, on a un petit panneau, votre survie commence ici. Ici, on a une petite commande pour claim une zone, faites slash F claim 1. Donc ça, faut pas oublier. Dès que vous construisez votre base, oubliez pas de faire ça. Si vous faites pas ça, qu'il y en a un qui passe, il vous détruit tout, il vous pille tout. Hein. C'est fini. Hein. Alors là, on a un petit panneau. Bon, bonne chance. Voilà. Quand vous construisez, n'oubliez pas de claim la zone. Voilà, c'est moi qui ai rajouté ça. La sainte échelle. C'est moi qui ai rajouté la sainte échelle. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, franchement. Je l'aime bien. Je l'aime bien, moi, cette échelle. Voilà. Ici, on a quoi? On a une petite salle. Tranquillement. Voilà, comme ça. Là, c'est impeccable. Ok. Alors, de toute façon, vous aurez l'adresse du serveur. Je vous l'afficherai en plein milieu de l'écran. Je vous l'afficherai même dans la description. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, donc, on va continuer la petite visite. Oui, mon petit bonhomme. Eh, ouais. Et le Père Noël, il vole. Pourquoi je dis le Père Noël? Parce que j'ai un petit skin de Père Noël. Eh ouais mon vieux, ouais les gars. Alors je vais faire la tournée, c'est parti. On va distribuer les petits cadeaux. Alors on va visiter un petit peu ce que les abonnés ils ont fait. On va faire un petit tour du serveur tranquillement. Donc le serveur, c'est un serveur survie tout simplement, hein. C'est la même chose que quand on joue avec Sofiane. Quand on joue à deux, sauf que là au lieu d'être deux, il y a un petit peu de monde. Alors on va voir combien qu'il y a de personnes sur le serveur. On peut faire comme ça. Voilà, il y a plusieurs commandes. Là, il y a 41 personnes. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Alors, j'ai mis 100 places. Donc, voilà, 100 places, c'est déjà bien. De toute façon, il n'y a pas 100 personnes. Donc, c'est impeccable. Eh bien, nous sommes bienvenus chez les Saint-Titi. Eh ben, c'est plutôt pas mal, ici. Voilà, on va visiter. Jolat, batte. Bah, arrête, mon vieux. Arrête. Attends, je vais me mettre en game mode. Comme ça, il va pas m'embêter. Attends. Alors, bien sûr, je me mettrai pas en game mode par la suite, hein. C'est juste là pour pas être embêté, histoire de... Voilà.
Violotte, mon petit cochon. Ok, d'accord, je vois, je vois. Village des Saint-Titi, créé par Mr. Lily 228. Vous voulez rejoindre la faction, vous devez voir du bon stuff, une armure en diams ou armure en fer avec une épée en diams. Par la suite, Mr. Lily 228 va décider si vous êtes accepté ou pas. Oh putain, mon vieux, c'est strict chez eux, hein. Raid interdit. Bon. Est-ce que tu me permets de faire une petite visite, Dédé? Voilà, je rentre chez toi, t'inquiète pas, je ne vole rien. Je fais une petite visite, tranquillement, pour montrer aux gens. Si tu vois ce message, ça veut dire que tu me raides. Mais tu ne peux pas... Normalement, les clés m'empêchent de raid. Mais il n'est pas config encore. Si, si, ça va être config, t'inquiète. T'inquiète, c'est moi, Didi, je ferme la porte. Je visite ton jardin, t'inquiète. Voilà, eh ben, Didi, il a fait un petit jardin et tout, tranquille. Attends, on va éviter d'y écraser ses carottes. Ok. Eh ben c'est franchement sympa, putain les gars, ils ont fait une villa carrément, je vous explique même pas quoi. Eh, y en a, ils sont chauds pour construire, c'est un truc de fou. Ça va, petite vue sur le lac derrière et tout. Franchement, ça déchire. Ok, d'accord. Bon, là on était chez les Saint-Titi et Mr. Didi. Ok, d'accord. On va aller voir ici. Alors là, c'est vrai que j'ai vu un truc franchement qui déchire. Il y a quelqu'un qui a représenté le Saint-Krabi. Eh, franchement, il déchire. Ça déchire quoi, carrément. YOLO! D'accord, YOLO. Eh, ça déchire quoi. Bienvenue chez le Saint-Krabi, créé par Litchi83 et Docteur ZBRX. Ça déchire franchement. Il est super bien fait. Ouais, franchement c'est excellent. Alors attends, on va voir s'il veut bien qu'on rentre chez lui. Hop, voilà. Alors là, je peux rentrer chez les personnes comme ça, parce que j'ai mis le mode administrateur on. Mais vous inquiétez pas, on peut pas rentrer chez vous. Si je mets off, on peut rien faire. Là, par exemple, j'ai enlevé mon mode administrateur. Si j'essaie de casser quelque chose, eh ben, je peux pas. Voyez ? Voilà. Les zones sont clem. Donc, c'est plutôt cool. T'inquiète pas, Litchi, je vais montrer. C'est le bordel devant chez toi, Litchi. Alors là, eh ben, on a vu la petite maison du Saint-Krabi et tout. Ça déchire. Regardez ça, franchement. Comment que ça déchire dans les montagnes et tout. Il y a quelqu'un qui nous a fait une base dans les montagnes. C'est chez qui, ça ? De toute façon, à chaque fois, c'est marqué chez qui on arrive, normalement. Attends. Ouh, bah toi, mon vieux, je crois bien que t'as pas clem ta zone. Je pense que tu n'as pas clem ta zone. C'est dangereux, ça. Bah ouais, voilà. Ah, voilà ce qui se passe quand tu clèmes pas les zones. Ah ouais, c'est pour ça, les gens. Pensez, vous faites slash F clem 1. Ça vous permet de clem 10 blocs. Et plus vous allez gagner en level, plus vous pouvez clémer de blocs. Donc je crois que ça peut aller jusqu'à je sais plus combien. C'est, vous avez le droit de le faire 10 fois je crois. Donc ça fait un truc comme 100 blocs comme ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bah ouais mon vieux, faut penser à faire clem ici hein. Sinon les gens ils vont tout détruire. Et ça c'est pas cool quoi. Voilà. Donc en plus elle est super bien sa baraque quoi. Carrément quoi, elle déchire. Il a fait une petite villa et tout. Oh là là, avec le petit jardin qui va bien et tout. Alors ici on a une petite base aussi. C'est chez qui ici? Ah non, ça a été détruit. Il y avait une petite base hier, je m'en souviens. Bon, ok, d'accord. Alors les gens, je vais vous montrer comment qu'on clame une zone par exemple. Voilà, je vais aller un petit peu en arrière. On va faire comme ça. On va se mettre par ici. Donc pour clame une zone, par exemple, il me semble, hein, si je raconte pas de conneries, vous faites slash F clam 1. Hop. Et normalement, already won this land. Non? Attends. Normalement, c'est comme ça. Hein. Franchement, putain, même moi, je sais pas. En fait, si vous voulez, c'est pas trop moi qui a fait les commandes et tout, qui a codé le serveur. Donc, mais normalement, c'est comme ça. Vous construisez votre base. De toute façon, si vous venez une game et que vous savez pas faire un truc, vous demandez à quelqu'un et tout, et il va vous expliquer. Ça se trouve même mieux que moi. Donc voilà, normalement c'est comme ça, c'est slash F clem 1. Et ça clem 10 blocs sur 10 blocs. Alors normalement, une fois que vous faites ça, personne ne peut détruire votre base, personne ne peut fouiller dans vos coffres, à moins que vous l'invitez à rejoindre votre faction. Donc il y a un système de factions, on peut faire des factions, je sais plus comment qu'on fait, il y a une commande, par exemple les Saint-Titi et Mr. Didi, ils ont réussi à faire une faction. Moi-même, je sais même pas comment qu'on fait. Va falloir que je demande tout ça à tout le monde, moi laisse tomber quoi, c'est un truc de fou. Je sais même pas comment qu'on fait tout ça. Eh, hey, regardez, il y a quelqu'un qui a fait une petite grotte ici. Ou comment que ça se passe? Ah ouais, regardez ça. On se casse de là. Salut, super champi. Salut à toi, je fais une petite visite. Petite visite amicale. Tranquillement.
Ouh, tu m'as l'air perdu. T'as pas construit de base, toi, comme t'es fait là. Non? Si? Ouais? Où est-ce qu'elle est, ta base? Elle est là? C'est ça? Ah, bah ouais, mon pauvre vieux. Bah oui, je sais bien, c'est la crise. Ouais, les blocs se font rares de nos jours. Bon, bah, super champi, il habite à l'entrée d'une grotte et dans un lac. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, petite dédicace à toi. Et ben voilà les gens. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça, je l'avais pas vu. Oh, c'est super bien, quoi. Franchement, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais ça déchire. Une tour d'eau, quoi. C'est bien foutu, quoi. Et ben voilà les gens, de haut, le serveur, il ressemble à ça. Alors voilà, bon, apparemment, je vois que tout le monde a plus ou moins construit sa base aux alentours du spawn. Après les gens, faut pas vous plaindre si vous êtes emmerdé toutes les 5 minutes, hein. Parce que là, le but du serveur, c'est de la survie, c'est du PVP, donc c'est la même chose quand on joue tout seul ou à deux, hein, je veux dire. Sauf que là, bon, bah on est plusieurs. Là, on construit sa base et tout, machin, on va explorer les grottes. Mais si on tombe sur un autre joueur, pas de pitié, hein. Moi, je veux dire, si je tombe sur un autre joueur, je chercherai pas à comprendre si c'est Saint Titi ou Mister Didi ou je ne sais pas qui. C'est headshot, mon vieux, hein. Voilà, hein. Surtout si je vois que t'as une petite armure en diamant. Ça, ça m'attire l'œil, voyez-vous. Voilà. Donc si vous me croisez, n'ayez pas de pitié. Ah ouais, parce que moi, j'en aurai pas pour vous. Donc voilà. Ça, faut être clair là-dessus, hein. On n'est pas là pour faire copain-copain avec tout le monde, hein. Non, non, non. Moi, c'est la survie. Si je vois quelqu'un avec une armure en diamant, je le dépouille, direct. Et je l'embarque dans mes coffres. Eh, c'est normal. Alors, en tout cas, il est pas mal, ce petit truc-là. Ce petit château qui est pas fini de construire. Attends, regardez-le. Regardez-le. Regarde. Salut, Paul McCraft. Salut à toi, mon vieux. Ah, bah, tu t'es mis bien. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben, c'est parfait. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Je vais sortir. Voilà, je passais faire un petit tour, tranquillement. Ah, ouais, 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 ouais. Tu t'es mis bien, là. Les petits fours et tout, tranquille, là. Franchement, GG. Là, t'es bien. Par contre, tu vois, j'ai peur pour toi parce qu'il y a moyen qu'on puisse rentrer dans ta base. Mais tu me diras, si t'acclèmes les coffres et tout, il n'y a pas de souci normalement. Voilà, c'est pas possible qu'on puisse te piller ou quoi que ce soit. Donc ça là-dessus, c'est nickel. Donc, eh ben voilà les gens. Voilà, un petit tour du serveur. Là, faudra vraiment qu'il clème sa base ici. Je pense pas qu'il l'a clémé. Hein. Voilà. Donc, à moins qu'il a peut-être déménagé. Voilà, c'est une petite construction, comme ça, c'est possible. Donc voilà, les gens, c'était un petit tour rapide du serveur. Je voulais vous montrer un petit peu comment que ça se passait, comment que ça allait se passer. Si vous voulez venir jouer, bah surtout, n'hésitez pas, hein, vous avez l'adresse du serveur dans la description. Voilà, je vous répète que même, même les versions Lifecraft peuvent venir. Alors juste, j'avais déjà repéré quelques cheaters. Bon, bah, ils ont été bannis. Alors malheureusement, je connais la touche pour ban, mais je connais pas celle pour des bans. Donc moi, quand je ban, je le fais qu'une fois. Voilà, et puis ça sert à rien de me dire « Oui, mais j'avais des lags, machin !» Et ben mon vieux, pour avoir des lags, comme j'ai vu, faudrait que t'habites en plein milieu d'un champ et que tu captes internet avec une fourchette et un câble électrique. Et franchement, c'est chaud, quoi. Donc, voilà, moi, je sais ban, mais je sais pas des bans. Donc, et ben voilà, j'ai déjà ban quelques personnes qui tentaient de faire des choses pas très très bien, on va dire. Donc voilà. Sur ce les gens, bah on va se laisser là, c'était une courte vidéo pour vous présenter un petit peu comment que ça se passe. J'espère que la vidéo vous a plu, bah si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et puis on vous attend sur le serveur, ça peut être bien cool. Allez, ciao tout le monde, bye.